Please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Today, the chamber continues to hear testimony of witness Kang Gek-yi, alias Dude. Ms. Sakawati, please report the attendance of the parties and other individuals to today's proceedings. Greffier, Mr. President, for today's proceedings, all parties to discuss are present. And based on the National Litigation Lawyer for civil parties, informs the greffier that he will be a little bit late this morning. Mr. Nguyen Thi is present. In the holding cell downstairs, he has waived his rights to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier. Le document de renonciation a été remis au greffier. The witness who is to continue his testimony today, that is Mr. Kang Gek-yi, alias Dude, is present in the courtroom. Est présent dans le prétoire. We have a reserve civil party today, that is through TCCP 236. De réserve ce matin, de TCCP 236. President, thank you, Ms. Sakawati. Merci, Madame Sakawati, Monsieur le Président. La Chambre fait à présent statut sur la requête de Nguyen Thi. La Chambre est saisie d'un document de renonciation de Nguyen Thi en date du 23 juin 2016. Dans ce document, il invoque des maux de dos, Concentrate for long and in order to effectively participate in future hearings. Et à se concentrer. Ainsi, pour assurer sa participation effective aux futures audiences, l'intéressé renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire pour l'audience du mercredi 23 juin 2016. La Chambre est saisie d'un rapport du médecin traitant de CTC daté du 23 juin 2016. Celui-ci indique has a chronic back pain, que Nguyen Thi souffre de maux de dos and chroniques it becomes when he sits for long, qui s'aggrave lorsqu'il reste longtemps assis. So that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Depuis la cellule temporaire du sous-sol. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the Chamber grants Nguyen Thi his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The Chamber instructs the AV unit personnel to link the proceedings to the room downstairs so that Nguyen Thi can follow. That applies for the whole day. Toute la journée. The chamber now hands the floor to the defense team for Q Sampong à l'équipe de défense de to continue putting further questions to the witness. Des questions aux témoins. Merci. Thank you. Enjoy that being around that yet. International Deputy Co-Prosecutor, you may have the floor. Le substitut du procureur international, vous avez la parole. L'accusation, merci, Monsieur le Président. The witness yesterday raised some questions about the military court interview. L'audition devant le tribunal militaire. J'aimerais que soit versé au procès-verbal des choses. Je pense que l'audition qui lui a été soumise hier a été décrite comme une audition de 1930. In fact, le témoin a demandé à voir ses déclarations antérieures devant ce tribunal militaire. Nous avons pris assez de temps pour compiler les documents qui ont été soumis hier, notamment les autres auditions devant le tribunal militaire. Nous avons relevé une différence que nous aimerions porter à l'attention de la Chambre. Dans l'audition, le document, le PV qui lui a été soumis hier, on peut voir une empreinte digitale. Mais dans les autres auditions devant le tribunal militaire, en plus de son empreinte digitale, il y a son nom écrit en manuscrit.
auprès de l'empreinte digitale. Je ne sais pas si c'est important. Seul le témoin peut nous le dire. Mais j'ai relevé une différence entre le PV d'audition qui lui a été remis hier et ses autres PV d'audition où nous voyons, en plus de l'empreinte digitale du témoin, son nom qui apparaît en manuscrit. Monsieur le Président, j'aurais apprécié que Monsieur le Coprocureur me laisse prendre la parole en premier, parce que j'aurais effectivement indiqué à la Chambre que je m'étais trompé hier en donnant la date du premier PV. En ce qui concerne les commentaires sur le PV d'audition, selon les arguments de plaidoirie ou des arguments de réponse pour le témoin, mais M. le coprocureur n'avait pas à faire ce genre de déclaration pendant mon interrogatoire, alors que je n'ai pas terminé d'interroger le témoin sur ces déclarations. Donc je tiens à ce que ce soit officiellement noté que je m'insurge sur la manière dont M. le coprocureur essaye de donner une sorte de porte de sortie aux témoins sur ce que je constate être des contradictions. En tout état de cause, avant de revenir sur ce point, je voudrais terminer un point que j'avais abordé hier sur la suite donnée à la réunion de janvier de 1979, qui a été évoqué hier avec monsieur le témoin. Monsieur le témoin, bonjour. Avant de revenir sur vos déclarations devant le tribunal militaire, je voudrais revoir avec vous et vous donner une déclaration que vous avez faite devant les cours d'instruction devant cette juridiction, le CETC, en date du 23 août 2007. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je voudrais qu'on puisse remettre la version papier de cette déclaration et qu'on puisse également afficher à l'écran document E3/452 en Khmer 00146558, ERN en français 00147933, ERN en anglais 00147571. Yes, you may proceed. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président. Et si l'on peut afficher le paragraphe qui m'intéresse à l'écran. Hier, lorsque je vous ai reposé la question de savoir si vous aviez donné des instructions à la suite de la réunion que vous évoquez en date du 6 janvier 1979 avec M. Kyosampan, vous avez indiqué que vous n'avez transmis aucune instruction, information particulière, si ce n'est éventuellement à Or. C'est ce dont je me souviens de ce que vous avez dit hier. Or, dans cette déclaration E3/452, voilà ce que vous dites. This is what you stated. Premièrement, first of all, je l'ai déjà dit, je pensais que le camarade Lin n'oserait pas faire n'importe quoi. Deuxièmement, tous les cadres convoqués lors de cette réunion par Kyosampan ont pris ces instructions pour les diffuser dans leur lieu d'affectation. Troisièmement, ces instructions n'avaient pas de lien avec le travail de S21. Elles avaient un lien avec la situation militaire. Finalement, une autre raison était que Pol Pot avait dit à la radio que les Vietnamiens pourraient pénétrer très loin dans notre pays, mais que la situation pouvait être réversible. Il avait demandé aux amis proches et lointains de continuer à soutenir le Kampuchea démocratique. C'est pourquoi j'ai accepté de diffuser ces ordres. Fin de citation. Donc, ma question demeure la même qu'hier. Est-ce que, oui ou non, vous avez diffusé des ordres? Et si vous avez diffusé des ordres, de quels ordres exactement s'agit-il? What instructions were they? Je me
Yesterday, I said that the situation was ordinary. Que la situation est anormale. J'ai transmis le message à OR consistant à gérer le personnel dans l'unité. C'est une pratique normale que je communique avec OR en ce qui concerne des affaires ordinaires. Même lorsque des personnes devaient être écrasées, je donnais des instructions à OR de la même manière. The situation was not the same thing as the current practice in the military or in the army. La situation n'était pas la même que dans l'armée ou chez les militaires. That is me, conveyed the message to le chef, à savoir moi, and who would manage that with the staff. Le message à OR. And that is based on the principle of to lead collectively and be responsible individually. C'était là le principe de la direction collective de la responsabilité individuelle. And at S21, we always trusted the instructions from the à party. S21, of course, we had gunfires with the June site, but nobody seems to panic. And des only coups de feu du côté 11 de Lyon, mais personne n'assemblait pas mes pieds. Ce n'est qu'à 11h, lorsque j'ai vu des chars arriver devant chez moi, que j'ai arrêté de prendre mon repas. Actually, I disseminated information or instruction from the généralement, party to all my staff through my normal practice. À tout mon personnel, comme à l'accoutumée. Ma question était plus précise. Je vous demande quel ordre avez-vous diffusé après la réunion du 6 janvier 1979 que vous avez évoquée. Quel ordre exactement avez-vous donné? What particular instructions did you issue? Akun jemri pasah lopetian. I have repeated the same response, and probably this is the third or the fourth time c'est peut-être la troisième ou la quatrième that fois que I disseminated cette réponse. The content of the instructions from the party through staffers at S21 through Hall, and Hall would relay the information to all staff. OR se chargeait par la suite de véhiculer cette information the same, so that aux membres du personnel. La teneur du message était la suivante. Les Yun avaient pénétré à l'intérieur du territoire profondément, mais and the Defense Council reminded nos forces me of contrecarraient a leur avancée. On the radio le by président m'a rappelé the speed broadcaster by le radio. But discours de Pol Pot I mentioned about the instructions of Brother Paul conveyed through Brother Haim. That during despite their advancement, they would not reach Phnom Penh. And that was the information I received, and that was the information that I disseminated. C'est là l'information que j'ai reçue to the staffer in my unit through our normal practice, that is through Hall. À travers Hall, comme and la pratique the same le information. Or dissemination was a norm in all other units. Et cette pratique de diffuser des informations était la norme dans les autres unités également. Est-ce que vous savez si Hor a diffusé and le message? Do you know whether Hor? Est-ce que